mon très cher maître Cerise, vous m'offrit il y a 2 mois pour que je sculpte à ma guise un bien joli morceau de bois. Je m'en fis une marionnette qui eut dû ensoleiller mes vieux jours, ma maisonnette. Je ne dois vous dire que c'est raté. Avant même son achèvement, Pinocchio se montra méchant. Il échappa à mon emprise, et ce à maintes reprises. Vous conviendrez, mon bien cher maître, du bien fondé de ma lettre. Mon très cher maître Cerise, pourriez-vous de votre gré consentir à la reprise du bois que vous m'aviez confié? C'est sans doute par méprise que vous vous débarrassâtes de ce végétal en crise, de cette bûche psychopathe. Malgré les efforts d'une fée de couleur bleue très sympathique, rien ne peut stopper les méfaits de ce pantin maléfique. Vous conviendrez, mon très cher maître, du bien fondé de ma lettre. Mon très cher maître Cerise, pour vous tenir informé, sachez que c'est par bêtise que Pinocchio a mal tourné. Recevez par la présente, et je dois m'en excuser, les copeaux postes restantes que je préfère vous renvoyer. Si vous étiez à l'avenir tenté d'offrir du bois hanté, prière de vous en abstenir au nom de notre amitié. C'est un courrier de Geppetto qui vous reste dévoué.